Alors nous sommes ici sur le stand de la COP22, le stand de l'Alliance Renault-Nissan à Marrakech, ici en novembre de 2016. C'est extrêmement important pour Renault avec ses produits, avec nos produits électriques, avec Zoé, d'être à Marrakech en ce moment. Renault est le premier constructeur à avoir amené des véhicules électriques au Maroc. Nous sommes les seuls à les commercialiser aujourd'hui. Et on est en train de pousser, de challenger le royaume et les autorités à d'abord à aider les clients économiquement à acheter nos produits et à équiper le produit d'énergie verte, d'électricité verte et de bornes de charge. La COP, c'est une rencontre magnifique et Renault a décidé de s'implanter au cœur de ce village, de cette zone verte, pour être présent avec nos technologies, avec des démonstrateurs et avec notre usine verte qui est Angers, qui est unique au monde et que beaucoup de gens nous envient. Depuis 2013, Zoé est donc distribuée au Maroc dans sa version Q210, c'est-à-dire avec une autonomie de 210 km dans le cadre du cycle NEDC, on va y revenir. La nouveauté, je vous invite à me suivre, c'est cette nouvelle batterie long range qui nous a permis avec notre partenaire LG Chem, simplement en modifiant la chimie de ses cellules, de doubler sa capacité de manière à passer de 22 kW à 41 kW et donc bien sûr on double aussi l'autonomie de Zoé pour passer maintenant à 400 km. L'intérêt là-dedans c'est qu'on garde le même volume de batterie, quasiment le même poids et donc pas du tout d'impact en termes d'habitabilité dans le véhicule. Et puis l'autre avantage chez Renault avec l'électrique, c'est notamment ce moteur Quick Charge qui va permettre désormais de se recharger sur les bornes de recharge rapide en 43 kW. Et donc, malgré qu'on ait doublé la capacité de la batterie, on charge désormais en une heure sur les bornes de recharge rapide. Ce qu'il faut retenir derrière, c'est que vous avez un certain nombre d'outils connectés qui vont vous permettre non seulement d'avoir un suivi très complet de votre véhicule, d'avoir une solution de GPS porte à porte pour identifier beaucoup mieux les points de charge sur un itinéraire donné, mais aussi de déclencher à distance et de l'interrompre la charge, mais éventuellement aussi de déclencher à distance le préconditionnement, c'est-à-dire d'activer le conditionnement de l'air avant que vous arriviez dans le véhicule.